Hey, yo pour tous, c'est Utsugi, j'espère que vous allez bien, de ma part ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les potos. Et donc voilà, ça va être une vidéo où vous allez voir un petit peu là où je suis avec ma team, ce que je suis en train de faire, etc. Donc pour vous dire, après avoir fini Strambad, là on s'est lancé un petit peu sur Xenorium. Et donc j'ai fini le premier succès de la découverte. Ensuite, là je suis à la dernière quête du deuxième succès qui est donc le deuxième succès qui est la zone la première zone de Strambad. Et pour ça on va faire le petit comment ça s'appelle déjà, le petit fractal ensemble au calme tranquillement. Et donc je me suis acheté des petits blocus puisque j'ai les orichors pour. Simplement, j'en ai pas mal d'orichor. Alors, un petit blocus, ça coûte que 500. Et j'ai 1500 et j'ai pas encore terminé les quêtes. Donc, ça fait pas mal d'orichor qui font vraiment plaisir. Et ces petits blocus, on va essayer de les monter, bien sûr, au maximum. Une fois, on a terminé avec le Dofus Nebulae, les potos. Et je profite, puisque je fais le donjon, je profite pour qu'ils prennent quelques points, quelques lignes de plus pour les mobs. Voilà. Ça, c'était la petite introduction. Et là, du coup, les potos, on va se lancer directement pour le donjon. Donc, ça va être la première, vraiment la première fois que je fais ce donjon-là. Vraiment, c'est la première fois que je découvre Xenorium même. Donc, avant, pour vous dire, j'avais fait un petit peu tout. J'avais avec des anciens teams, j'avais fait le comment s'appelle, la reine des voleurs, tous les donjons de Strambad à peu près. Mais là, en fait, c'est la première fois et donc je vais essayer de découvrir ça avec vous. Et donc là, il me semble qu'il faut pas retirer, se mettre en mode taxi pour voir un petit peu leur log. Parce que j'ai lu un petit peu sur des sites, je me suis informé un petit peu. Bon, voilà, c'est parti les potos, on va voir ce que ça donne, cette petite zone. Cette petite petite zone. Donc là, il y a une horloge. Horloge, plutôt, pas une horloge. Je sais pas trop. Ça pose pas vraiment problème. On va juste vulner le map. On rocks, on rush. Pas de succès. On s'en fout un petit peu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de rush, les amis. On va essayer de rush. Voilà, c'est comme ça. Là, du coup, on va une petite libé. Pas de souci. J'ai oublié de mettre un petit peu l'héliotrope en avant. C'est pour ça. On va mettre un petit portail par ici pour les K-flips. Oui, ça me va. Et on va taper au corps à corps. Ah, je vais le soigner puisque lui, il est placé à 4 PM du mob. Oui, c'est ça. Ça devrait être ça. Là, je pourrais taper normalement. Hein, si je dis pas de bêtises, je pourrais normalement taper. Alors, voilà, c'est cool. Une petite roulette chance, roulette chance. le mec, on sait pas vraiment où il a appris à lire sur Dofus. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Lui, on va le tuer. Mais normalement là, l'horloge, je vais me corriger. L'horloge va bouger et je pourrais pas taper avec l'œil up. Apparemment, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Mis à part ça. Parce que moi, je connais pas trop le système de l'horloge. Ce que j'ai compris après avoir lu un petit peu sur internet, c'est que quand il y a le fractal à côté de l'horloge et qu'il a plus de 50% de CPV max, on peut le taper et vice-versa. Et là, je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais de toute façon, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude. On s'en fout, on attend qu'on est prêt à pouvoir taper et on va déglinguer. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit, les potos. Merde, je fais de la merde, putain. Bah écoute, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Waouh, les dégâts! Ça fait mal! Au secours! L'horloge, Ayoub,
Arrête de dire l'horloge, l'horloge, putain, où t'as pris le français ta mère dans le bled. Oui, l'horloge. Putain, je l'ai pas fait exprès, hein, je vous jure. Je le fais pas exprès. Alors, l'horloge, elle n'a pas bougé, l'Enripsa, elle peut toujours taper, et on va déchirer les mobs. par contre, lui, c'est lui qui va me déchirer, hein, là. Ok, il tape du 200, c'est une petite merde. Ok, du 300. Et moi qui croyais que c'était... Alors du coup, on va pas taper. Eh oui, on va juste vulner. Eh oui, mon pote, on a appris un petit peu le... On a appris un petit peu le principe. Donc tu vas pas... tu vas pas nous faire chier. Alors, moi, je soigne mes alliés. Hein. Je profite de la faille. De la faille. Y a pas de faille. C'est juste un système de donjon, hein. Putain, tu fais un donjon level 100 et tu t'es en train de parler comme une merde. Putain. Voilà. En fait, les portails là que j'ai mis, c'est de la merde totale. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merguez. Voilà, c'est comme ça. On va passer notre tour parce que là, si on... Mais putain, pourquoi j'ai... Il... Ah, je comprends. D'accord, mais oui. Alors pour le tuer, du coup, je vais faire ça. D'accord. Je vais voir un petit peu si je peux passer un petit peu par là. Je vais faire ça par ici parce que là, en fait, ce que vous ne savez pas, les potos, puisque moi je sais tout, hein. Je sais tout et vous ne savez rien, c'est qu'il faut le mettre un petit peu à côté du portail pour qu'il puisse. Ah, parce que là, je vais pas pouvoir le taper, hein, 100%. Oui, je le soigne. Donc, apparemment, il faut faire ça, tu vois. L'approcher un petit peu. Ah, mais les deux pots, ça marche bien sur le map. C'est cool, ça. Alors là, mes potos, j'ai rien compris, hein. Je vais pas vous mentir et vous dire que j'ai tout compris. Non, pas du tout. J'ai rien, absolument rien compris. Apparemment, le mob, il faut qu'il soit un petit peu près du portail, enfin de l'horloge. De l'horloge, sa mère, de l'horloge. Ah, là, c'est nickel. En fait, l'horloge, voilà. Cette fois-ci, je l'ai bien pris. Hein. Cette fois-ci, alors pour l'horloge, une fois elle est près de fractal, je vais le tuer. Et ça va être cool, il y aura plus d'horloge, normalement. Normalement, je dis bien normalement, puisque, voilà. On va passer notre tour, parce que là, on fait de la merde. Oui, il s'approche, c'est cool. Nous, on va désactiver ce portail. Ce portail-là. On va mettre un petit... pardon. On va mettre un petit portail, un petit peu par là, pour qu'on puisse le déclencher avec les K-flips. En fait, si l'horloge bouge. Voilà. Là, normalement, faut juste que je trouve une zone. Il est où le deuxième portail? Portail. Ok, il n'y a pas de portail par ici. On va voir si on peut le tuer ou pas. Non! Mec, j'ai tellement attendu. J'ai tellement attendu. Je vais pas en sortir sans le tuer. Mais putain! Pourquoi ça fait ça? C'est pas cool. Ok. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer de... Oui! Et c'est la mort, la fin de l'horloge. Là, du coup, c'est que du rock. Ah oui, c'est que du rox. Ok, on va le pousser pour ne pas prendre de dégâts. En fait, corrigez-moi si j'ai tort. Est-ce que tous les mobs de la zone, quand on les tape et qu'il y a quelqu'un à côté, ils vont prendre des damage? C'est une question. C'est pas une réponse. Donc, ne me corrigez pas. Plutôt, répondez-moi, s'il vous plaît, les amis. Parce que vous êtes des amis, hein, c'est comme ça. Voilà. Alors, du coup, oh, ça fait des dégâts monstrueux, mon pote.
Et oui, le petit panda. Et qui disait le petit panda il a le stuff de merde, hein? Qui disait ça? Hein? Hein? Vous allez vous taire. Vous allez vous taire parce que vous comprenez rien sur le stuff. Alors, du coup, je rigole, hein, vous, c'est grâce à vous, à vos conseils que je me suis fait un bon stuff. Et c'est faux, parce que personne ne m'a rien dit. J'ai fait mon stuff moi-même. Voilà, ça c'est dit. Voilà, c'est comme ça la vie, hein. C'est comme ça la vie. Voilà. Alors, du coup, on va le déglinguer, mon gars. Il va rien comprendre. Non, il va rien comprendre, hein. Tu verras ça. Tu vas voir ça directement. Il va rien comprendre. Alors, oui. Ah, c'est la mort. C'est la fin du mob. Voilà, c'est cool. On va juste retirer. Reculer un petit peu. Ah, il y a 3 mobs qui soignent. Je dois faire attention à ça, par contre, je devrais faire attention à ça. Parce que ça, c'est pas cool, tu vois. Et moi, j'ai un accent de merde, tu vois. On a répondu à notre ami. Du coup, on va roxer. On va essayer de rush comme des cochons. Pas des connards. On va essayer de rush comme des cochons. Parce que moi, j'aime les cochons. je les aime pas. C'est juste une blague de merde qui ne marche pas et ne marche jamais. Voilà. Ça, c'est dit. Du coup, on va essayer de taper. On va essayer de taper les poteaux. Brah, on va faire ça, tu vois. Et on va s'approcher un petit peu de notre scie. Par contre, lui, il faut pas qu'il joue, sinon... Sinon, mon pote, je suis one shot, direct. Je me suis fait rect. Le petit écalélotrope qui va prendre des dégâts, mais c'est pas trop grave. C'est lui qui a choisi de se placer là. C'est pas de ma faute. S'il va mourir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'approcher de nous. Comme ça, on n'aura pas de personnages qui vont mourir. Tout simplement. Voilà. Oula, la petite team qui fait plaisir, là. La petite team qui fait vraiment plaisir. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et donc là, on va essayer de... bourriner, même s'il a des résistances qui ne s'arrêtent pas, ne se finit pas. Voilà, c'est comme ça. BOUM! Ça fait des dégâts ou pas? Non, rien du tout. C'est de la merde, ça rock que dalle. Ah, par contre, là, les Ripsa, elle est morte. Ah, pas, non. Heureusement qu'il a pas transport avec son personnage qui est juste à côté, sinon je serais parti au bled, hein, faire un tour là-bas. C'est tranquille, hein, voir un petit peu les filles du bled. Ils sont beaux, hein, ils sont belles. Les filles du bled, mon pote, ils ont une beauté naturelle, hein, du bled. donc voilà. Ah, ils se placent côte à côte et ça me fait plaisir. Donc je les deg. Voilà, mon pote, les gros dégâts. Fallait juste, en fait, tuer le fractal et puis, ça passe tout seul. Donc là, normalement, le combat, c'est terminé, mis à part si le Yop ne fait rien du tout. Ah, c'est nice. Et boum, ça diglingue. Stuff, le petit foudre de temps, je ne sais pas, ça s'appelle comment, mais ça a été vraiment magique. Et on va voir, je suis un petit peu suspense. Ça fait plaisir d'avoir les petits objets de quête comme ça. On va pouvoir valider la quête. Apparemment là, il y a un petit truc à... Bref, on va voir un petit peu les animaux. Par contre, un fractal ne fait pas plus 1 de tacle. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, les poteaux, comme du fromage. Donc voilà, c'était Wetsuki. C'était Wetsuki, hein, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.
si vous avez envie de suivre un petit peu l'actualité de la team. Et abonnez-vous. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui me suivent, mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc abonnez-vous, puisque pour prochainement, j'ai l'intention de faire un concours pour mes abonnés, mes chers abonnés, et vous devrez être abonnés pour en profiter. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe. Ciao.